Hey, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors là, ça va être encore un haul brocante parce que je n'en reviens vraiment pas. Je suis encore choquée et de ça parce que c'est la première fois que ça m'arrive que je trouve deux rares comme ça en brocante, deux extra rares. J'ai fait une économie de 140 euros. Comment vous dire que je suis juste super contente. D'ailleurs, j'étais là, putain, 203, bah, vous l'avez vu là. Mais 203, j'étais à bouillie. Oui, c'est pas possible, je vais certainement trouver autre chose. J'ai été persuadée de trouver le super pinto, mais bon. Tant pis, et ce sera pour une autre fois. Donc je vais commencer par ce qui vous intéresse le plus, parce que bon, après ça part un peu en live, hein, ce que j'ai trouvé. Donc voilà, alors il y avait 6 brocantes aujourd'hui, et voilà ce que j'ai trouvé. Donc déjà en commençant, j'ai vu ce cheval-là. Mon œil a été attiré par ce cheval-là, donc j'étais ah, bon, allez, je vais le prendre, comme ça va me faire un custom. Et dessus, en fait, il y avait tout un tas de chevaux. Donc, il y avait un petit comme ça. Et puis plein de tout petits qui devaient être dans des œufs Kinder ou des trucs comme ça. Mais vraiment trop choupinou. Donc, j'avais vu cela. Attendez. Hein. Donc, il y a un petit fjord ainsi qu'un je sais pas quoi. Et dessus, parmi ceux-là, je vois celui-ci. Alors, ceux qui s'y connaissent vont vraiment être choqués aussi. Parce que quand je l'ai vu, je me suis dit, oh, c'est marrant, il ressemble au premier poulain Schlèche. Et puis j'ai été prise d'un doute quand même, j'ai regardé. C'est vrai que bon, il a vraiment le truc classique des chevaux en plastique. J'ai vraiment cru que c'était un poney en plastique. Et quand j'ai retourné, j'ai vu qu'il y avait marqué Schlèche. J'étais folle. Mais j'étais vraiment folle. J'ai failli crier, sauter partout. J'étais trop trop contente. Et elle m'a fait le lot en fait à 1,50€. 1€ ou 1,50€, je sais plus. Rien que celui-là sur eBay, il vaut 99, il part à 99€. Donc, comment vous dire que je suis super contente? Je pensais vraiment celui-là que j'allais devoir l'acheter plein pot. Pas du tout. Donc, je suis vraiment trop fan. Alors, autant vous prévenir, celui-ci, il est hyper léger. Il est vraiment très très fin. Il n'est pas du tout caractéristique des autres chevaux. Il ressemble même pas du. Il a pas. J'ai pas l'impression qu'il ait la même matière, même que le poulain arabe noir. Tout aussi vieux d'ailleurs, il n'y a pas la date dessus. Ah si. Non, il y a marqué CE, c'est Schlèche. Hein. Dessus, c'est Schlèche, mais fait en Germanie. D'ailleurs, il y a un point blanc. Et je suis vraiment trop fan de l'avoir trouvé parce que je m'y attendais vraiment pas. Vraiment, j'étais persuadée que j'allais devoir l'acheter sur internet au prix fort. Et je l'ai eu pour même pas à 50 centimes. Comment vous dire? Comment vous dire quoi? J'étais vraiment folle, j'en pouvais plus. Surtout qu'avant, dans la brocante d'avant, je venais de trouver Rainbow Bright. Bon, je l'avais déjà, mais pas en aussi bon état, donc il va remplacer le mien et je vais vendre le mien du coup. Bon, la mienne elle est pas en très très bon état, mais bon, elle est quand même en bon état. Et pareil quoi, celui-là à 50 centimes, alors qu'il en vaut à peu près 50 à 30 euros quoi. C'est une édition limitée aussi et c'est un Schlèche. Et je n'en revenais pas non plus. Donc lui, il n'a pas de points ou quoi, mais il est vraiment magnifique et je le trouve. Voilà, il est en super bon état, donc je vais le laisser comme ça. Donc bref, deux éditions limitées, deux éditions vraiment très très rares. En brocante, mais en brocante, je n'en revenais pas. J'en reviens toujours pas. Là, il va me falloir toute une semaine pour m'en remettre. Et voilà, donc franchement, quand je vous dis qu'on peut faire des affaires sur en brocante, il faut vraiment chercher parce que celui-là était derrière plein de peluches. Et lui, ben, j'ai été attirée par elle en fait. Hein. Donc imaginez, si je m'étais dit, oh putain, c'est un papot, bon, j'en ai pas besoin, je serais passée à côté de lui. Comme quoi, des fois, ben, ça fait du bien d'avoir un peu pitié de certains chevaux. Donc voilà, donc j'ai donc pris celui-ci. Je vais pas m'extasier dessus pendant trois plombs parce que j'ai masse d'autres trucs à vous présenter. Donc ensuite, j'ai trouvé ce Playmobil là. Alors je commence tout doucement, quand il y en a qui me plaisent, je craque, alors je les prends, parce que c'est vrai qu'ils sont vraiment originaux, et ça change en fait, c'est vrai que Playmobil, ça a vraiment évolué, et voilà, ça me plaît beaucoup, donc voilà, j'ai pris celui-ci. Ensuite j'ai trouvé celui-là, que je compte repeindre aussi, ou vendre tel quel, je sais pas trop ce que je vais en faire. Ici nous avons donc un cheval de chez McDonald's qui m'avait assez attiré aussi. Il est en mignon, il ressemble à un Exmoor un peu, donc je pense pas que je vais l'ajouter tel quel dans ma collection parce que pas non plus hyper réaliste, mais voilà, pour décorer je trouve que ce serait sympa. Et ensuite il y avait donc ce Bellyland que je vais peut-être repeindre. Je ne sais pas trop ce que je vais en faire, mais voilà, je verrai bien. Ensuite j'ai trouvé des cartes Bella Sara. Alors là aussi c'est un truc de dingue parce que d'habitude j'en trouve jamais. Hein, il y a des cartes Pokémon, alors là j'en aurai à l'appel. Je vous dis pas si je fais la collection Pokémon, mais je ramènerai des cartons entiers de Pokémon. Donc si jamais vous les collectionnez, n'hésitez pas à me demander. Moi en brocante j'en trouve tout le temps. Mais genre au moins 800 cartes dans chaque brocante. C'est impressionnant. Là encore j'ai trouvé des boosters et des... comment ça s'appelle?
J'ai trouvé un booster et une display complète, des tonnes de cartes. Franchement, si vous les collectionnez et si vous n'en trouvez pas, dites-le moi, je serais ravie de vous en prendre parce que j'en trouve à l'appel. Donc j'ai trouvé quelques petites cartes. Bon, elles sont un peu tordues, mais il y a des brillantes, il y a un peu de tout. Il faut que je regarde celles que j'ai pas. Donc si jamais la vidéo des cartes de la Sarah, bah, elle doit être sortie ou alors elle va sortir. Je ne sais pas comment je vais m'organiser, mais en tout cas elle va pas tarder. Vous l'avez peut-être déjà vu. Enfin, bref, si jamais vous êtes au courant, si jamais vous collectionnez les cartes de la Sarah et que vous recherchez des doubles, n'hésitez pas à m'envoyer vos listes, enfin à m'envoyer un message avec ceux qui vous manquent. J'ai j'ai vachement beaucoup et beaucoup de cartes de la série de base et mythologie. Donc si jamais vous êtes intéressé par ces cartes-là, n'hésitez pas à me le dire. Et venez allez voir dans la barre d'infos, je vous aurai mis mon adresse mail, justement pour qu'on puisse discuter de tout ça. Ensuite, sur la même brocante où j'ai trouvé Rainbow Bright, j'ai trouvé ces deux poilus. Alors c'est un ensemble, ils sont collés tous les deux, et c'est la première fois que je voyais des poilus couchés. Donc j'étais vraiment très très contente de les trouver, ils sont vraiment trop choupinous. Et voilà, donc je les trouve adorables, ils sont trop mignons tous les deux. Et j'ai pas pu passer à côté, quand je les ai vus, j'étais oh mon dieu, il me les faut. Et voilà comment c'est fini le Beans. Ensuite ici c'est un Safari LTD qui devait être certainement dans un petit bag avec tous les mini et la petite licorne comme ça, je ne l'avais pas. Alors lui je ne sais pas ce que c'est un Panini. Et ce cheval-là est magnifique. Et j'avais hésité à me les acheter d'ailleurs, les 7 Panini, parce que les chevaux, ils sont vraiment splendides. Il est hyper réaliste, on dirait presque un stablemate. Je le trouve vraiment à tomber par terre et j'ai trop craqué quand je l'ai vu. Ensuite, il y avait cette petite licorne. Et là, il y avait quelques petits chevaux. Donc comme des Magic Chibi, un peu, j'adore ces chevaux-là. Et j'ai découvert ça en brocante aussi et je les trouve vraiment trop choupinous. Donc voici un peu de tout. Ça ressemble un peu à rien, mais c'est vraiment trop craquant. Donc voilà. Faut pas trop m'en demander plus, hein, vous savez. Donc voici. Ensuite j'ai trouvé, on va passer un peu plus gros, une licorne Barbie qui est vraiment magnifique aussi. Donc elle est un peu salie. D'ailleurs je vais aller faire les courses demain et je vais voir si je trouve pas l'éponge magique qui enlève tout ça. Donc ouais, les crins sont en bon état. Et voici, voilà. Donc j'étais vraiment trop fan. Elle est vraiment trop belle, donc j'ai craqué. Parce qu'on en trouve plein aussi des chevaux Barbie. Et je crois que... Ouais, bah je me suis bien relancée là-dedans. Ensuite, il y avait des petits meubles comme ça. Donc, quand je me déciderai à faire un vrai clubhouse ou un vrai château pour mes personnages, j'aurai déjà de quoi faire parce que c'est vraiment très dur de trouver des meubles à leur taille. Donc là, autant les chaises et les tables, ça passe. Autant le meuble, c'est un peu petit, mais bon, ça fera un petit vaisselier, c'est pas grave. Ensuite, j'ai trouvé... Balto et le Balto numéro 2 que je cherche depuis vraiment trop longtemps parce qu'ils sont vraiment trop choux. Et voilà, parce que j'adore les DVD comme ça, les Disney et tout ce qui est dessin animé, j'aime trop. Ensuite j'ai trouvé donc le guide de Laura de la série Heartland. C'est l'un des deux hors-série qui me manquait, je suis trop fan parce que je le recherche. Eux, ça c'est comme les Graal, on n'en trouve plus du tout. Je sais pas, il devait pas être vendu à beaucoup d'exemplaires, mais franchement, je cherche le second. Si vous l'avez, n'hésitez pas parce que franchement, ça me. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé les Sims 3 à 4€. Bon, j'aurais aimé l'avoir un peu moins cher, mais bon. J'ai le projet en fait de recréer mon Ara Schlesch, mais en version Sims pour pouvoir vous montrer comment est-ce qu'il est dans ma tête. Et puis pour pouvoir jouer aussi dessus, donc... Mais on m'a dit en fait qu'on pouvait pas dépasser les 8 ou les 4 chevaux en fait, avec le 7. Alors je sais qu'il faut une extension, mais avec l'extension apparemment on a droit qu'à 8 chevaux. Et donc je voulais savoir si vous les avez donc, s'il n'y a pas moyen d'en avoir plus. Et si donc mon projet d'avoir bah, du coup un énorme hara avec les 400 chevaux, c'est possible à faire ou pas du coup. Donc avec 400 box, avec 400 paddocks, vraiment un truc énorme sur... je me suis demandé si je pouvais pas le faire là-dessus en fait. Parce que il me semble que les Sims 3 en fait, il y a que l'espace de création est infini en fait. D'après ce que j'ai compris, donc enfin bref, si vous voyez un peu l'idée, ce que j'ai en tête. Donc si jamais c'est... N'hésitez pas à me dire vraiment si vous y connaissez, si c'est possible ou pas de le faire, parce que je ne sais pas, peut-être que je rêve, ou... enfin dans tous les cas, je les voulais pour jouer dessus. Ensuite, j'ai trouvé donc sur un bouquin, là, parce que j'avais le tome 1, donc j'ai trouvé le tome 2, et j'ai trouvé Tara Duncan, le premier.
C'est pour ma mère. Et j'avais trouvé ce cheval-là. Donc je pensais que c'était juste un cheval en plâtre normal. Et là, je viens de voir que c'était un Berchwick. Un Berchwick, en fait, c'est comme les... Un Berchwick, enfin, je sais pas comment on dit. Enfin, bref, c'est des chevaux en céramique qui valent... Je dirais pas qu'ils sont très très chers, mais c'est un peu comme des séries un peu limitées. Et ils font la taille d'un brayeur. Et celui-là, il est vraiment chouette. Alors j'en ai déjà deux que j'avais trouvé sur internet. Et j'ai donc le second. Et je sais que je crois que c'était Noémie sur Facebook qui en a un en baie. Donc je vais aller de suite lui dire que c'est un cheval qui vaut le coup. Et voilà, donc je suis contente de l'avoir trouvé. Il devait peut-être être sur un socle. Il est vraiment trop chou. Et je l'ai pour 2 € aussi, donc j'étais vraiment trop fan. Alors franchement, les brocantes, autant par moment, c'est par période en fait, hein, parce qu'il y a des moments où on trouve vraiment que dalle, il y a d'autres moments où on trouve vraiment de tout. C'est impressionnant, enfin là, c'est rien que pour ces deux-là, je suis vraiment dingue, je n'en reviens pas. Je n'en reviens mais vraiment pas, je suis trop sous le choc. Donc du coup, celui-là sera en vente sur Facebook dans pas longtemps, ou sinon je le mettrai en lot avec d'autres éditions limitées que j'ai qui ne se vendent pas. Et voilà, d'autres éditions limitées, n'importe quoi, d'autres chevaux rares. Et voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous présenter. Et ben voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je suis encore trop choquée, je ne sais même pas combien j'aurais pu le dire. Donc faites péter les pouces bleus si vous aussi vous trouvez que c'est un truc de dingue que j'ai trouvé ces deux-là. Ne serait-ce que celui-là, c'est un truc de dingue, quoi. C'est impressionnant. C'est comme si j'avais trouvé un lingot d'or, quoi. Je n'en reviens pas, mais vraiment pas du tout. Je sais pas, elle avait dû le trouver dans un lot, mais vraiment faites attention, hein, parce que celui-là, j'ai vraiment cru que c'était du style une série avec ces chevaux-là, en fait. J'y ai vraiment trop cru. J'ai failli passer à côté et me dire que non, non, c'est pour ça, en fait. Je n'en reviens pas, là, j'ai le sang, là, je vous dis pas, il tourne à une allure, ouf! J'en reviens pas! Je suis sous le choc, enfin bref, c'était une super brocante. Et voilà, donc on est en septembre là et ça va bientôt se terminer, donc je suis vraiment déçue parce que j'en ai pas eu beaucoup cet été. Et ben voilà, donc je vais vous laisser là-dessus. J'ai des trucs à faire. Oula, parce que j'ai quelques petites choses à faire et puis il faut que je regarde du coup si j'ai ces Bella Sara pas. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et j'espère que vous aussi vous trouvez de super choses en brocante, vraiment. Mais n'hésitez pas à fouiller, à prendre votre temps, parce que... À prendre votre temps et à vérifier dessous si c'est pas Schlesch, si c'est pas Bullyland, franchement, ne cessez jamais d'y croire, parce que j'y croyais vraiment pas quand j'ai trouvé les deux. J'en revenais pas du tout. Mais du tout. Mais vraiment pas du tout. Donc vous voyez, comme quoi des fois, on n'a même pas besoin d'aller sur Internet... d'avoir internet, d'avoir PayPal, d'avoir tout ça pour trouver des chevaux qui valent le coup. Donc voilà. Mais vraiment, celui-là, j'étais persuadée que je n'allais jamais l'avoir. Mais vraiment. Je me demandais même si j'allais l'acheter parce que bon, bah, c'est juste pour finir la collection. Mais oh, je suis sous le choc. Je suis sous le choc. Vraiment. Bon, je vais vous laisser là-dessus. Je crois que je vais aller prendre un médicament. C'est pas souvent que je vais aller dormir un peu parce que là, je vais exploser sinon. Donc, ben voilà. J'espère que ça va pour vous. Que vous aussi, vous trouvez des choses fantastiques en brocante. Et faites péter les pouces bleus si vous aussi, tout ça vous impressionne. Et voilà. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.